Bonjour chers amis, alors en se promenant du côté de Nantes, à Trélières exactement, on est tout près hein, de la grande ville de la Loire-Atlantique, on a traversé une entrée, traversé une petite forêt et découvert une écurie. Et dans l'écurie, qui y a-t-il? Lucie Henry, vous reconnaissez? Bonjour Lucie. Bonjour. Vous reconnaissez ce visage? On l'a déjà vu notamment dans divers événements, notamment le Braise Fall Show l'année exactement. Dernière. Et là aujourd'hui, que se passe-t-il? Tu lances une entreprise qui s'appelle LS Agency. Tu te lances donc dans le grand bain. Raconte. Exactement. On se lance dans le grand bain. C'est vraiment une entreprise de prestation de services. Mmh. Voilà, pour tout ce qui va être gestion administrative, financière, aider les entreprises à recruter, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile. Ah bah ça. Voilà, du personnel. Et puis, tout ce que les gens n'ont pas le temps de faire, en fait. C'est l'administratif de l'IFCE, de France Gallo, de toutes ces choses-là. Toute la galère, là, compliquée. Toute les la papiers, galère, les, machins, tout les ça, papiers, ouais. Tout ça, l'organisation. Mais comment tu connais tout ça, Lucie? Organisation d'entreprise. Ah bah quelques années dans les sports équestres, notamment 10 ans à Haras Nationaux puis IFCE. Mm-hmm. Donc ça, je connais bien la machine. Et puis ensuite de l'événementiel, de la gestion de site et au final du coup 2 ans et demi chez Vincent Leroy à Plougastel. Et puis on continue à travailler ensemble, oui. Mais différemment. Voilà. Tu fais du graphisme également? Ah, pas trop de graphisme. Pas trop de graphisme, non, mais par contre, tout le reste, en tout fait. Tout le reste, en fait, voilà. La com, mais pas de... Non, mais le graphisme, c'est nous, en fait, c'est Francière. Voilà, c'est ça. Pas me piquer mon boulot. pas de ça. Mais alors, donc, toute l'administration et tout, mais pas que, parce que ces derniers temps, sur des ventes, des événements, on t'a vu aussi, et d'ailleurs, on est dans une écurie, on n'est pas derrière un bureau. Qu'est-ce que tu fais aussi, en plus? Eh bien, il y a aussi toute la préparation vente. Donc, je propose aussi déjà d'aller chez les gens, les aider à préparer les chevaux pour les ventes. C'est toi qui les tiens, c'est qui les prépare. Qui les prépare, qui les tient, et voilà. J'ai quand même un monitorat d'équitation dans un ancien temps, voilà. Beaucoup de concours complets aussi. Ah d'accord. Voilà, donc on apprend à présenter les chevaux pour les inspections vétérinaires, donc ça c'est important. Et, c'est une école le concours. Exactement, ça, c'est une école de présentation, ouais, effectivement. Ouais. Grooming et tout ça, j'ai beaucoup groomé à une époque. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a ça fait différentes facettes, et donc il y a cette partie, voilà, aide à la préparation des ventes en amont, donc je peux aller dans les écuries, vraiment aider les gens à préparer leurs chevaux, et puis sur place, évidemment, présentation aux ventes, et il y a aussi toute la partie package photo, vidéo, pour en amont des ventes, que votre cheval, la photo, la vidéo soit préparée, et vous arrivez aux ventes, les gens ont déjà reçu les vidéos, et voilà, je propose ça aussi. Multimédia, en fait, tu peux faire les deux côtés, en fait. Exactement. Les deux côtés de la longe, en quelque exactement, sorte. On va faire ça, ouais. D'accord, ben bravo, mais c'est itinérant dans toute la France, là on est évidemment en région nantaise, exactement. Dans notre cher ouest, exactement. Mais tu te déplaces aussi dans toute la France? Je me déplace dans toute la France, en fonction des besoins, il n'y a pas de problème, je peux bouger, je suis véhiculé, il n'y a pas de souci. Tu viens de démarrer, tu es toute seule pour l'instant, est-ce que tu vas rester toute seule? Non, l'idée c'est vraiment de gonfler, voilà, j'ai une amie qui pense me rejoindre plutôt fin 2024, mais pour l'instant je suis toute seule à la tête de l'entreprise. D'accord. Voilà, et puis on y va quoi, il n'y a plus qu'à lancer. Maintenant que tout le côté administratif est passé, merci la France. Oui. Et du coup, ça y est. C'est ton domaine. Exactement, c'est mon domaine. Mais je galère aussi, hein, mais c'est sûr que j'ai plus le temps. Ouais. Et voilà. Et maintenant, c'est fait. Et donc, on peut avancer. Et voilà. Et puis, après, c'est évidemment tout ce qui est com de réseaux sociaux, tout ce qui est de la gestion quotidienne. C'est réorganiser une entreprise. C'est là où c'est un peu ma force aussi, hein, de tout ce qui. Alors, ils appellent ça du management de transition maintenant. C'est vraiment réorganiser une entreprise quand ça part un peu dans tous les sens et remettre une équipe en route et fonctionner et que tout roule, quoi. Voilà, c'est vraiment aider les entreprises équestres, parce que c'est ce que je sais faire, et voilà, pour que tout aille bien. Merci, Lucie. Rappelle-nous le nom de ton nom. Rappelle-nous, s'il te plaît, le nom. LS Agency. LS Agency. Voilà. Lucie Henry.